Je m'appelle Charles Napoléon. L'empereur Napoléon est mon grand-oncle, son plus jeune frère Jérôme est le grand-père de mon grand-père. En racontant l'empereur, à la différence de tous les historiens, j'écris sur ma propre famille. Républicain depuis ma jeunesse, j'ai pourtant reçu une éducation très particulière. J'ai été élevé hors du temps, dans une famille où le mythe de l'empereur était encore vivant. J'ai puisé et vérifié mes informations aux meilleures sources, mais je suis aussi un neveu parlant de son grand-oncle. La vérité de sa personne m'intéresse autant que les faits, ses amours, ses habitudes, ses fulgurances, plus que le récit de ses combats. J'ai écrit ce livre parce que derrière le mythe, derrière la vitrine, j'ai voulu raconter Napoléon tel que j'ai pu le connaître de façon privilégiée. Un homme qui fut plus sensible à la grandeur et aux misères humaines qu'on le croit généralement. Ce livre n'est donc pas une biographie, ni une ode à la mémoire de l'empereur, mais un portrait où chacun reconnaîtra un peu de lui-même et comprendra mieux, je l'espère, le personnage inconnu de Napoléon Bonaparte.